Hey, yop là, bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Alors pour ce soir, deux trucs, donc deux choses différentes. Donc tout d'abord, découverte de Type Knight, donc c'est du typing game, hein. Ça a l'air plutôt sympa, hein. Donc on va tester ça. Si j'ai pas de bêtises, on l'a reçu via le curateur Steam, il me semble. Je crois que c'était comme ça, j'ai récupéré la clé. Et après ça, bah, je terminerai ma partie de Defense Force Insect Armageddon, il me restait le chapitre 3 à faire. Et après, s'il reste encore du temps, moi je ferai peut-être du spin, des speedruns, on verra. Allez, tout, appuie sur une touche. Oui. Alors, démarrer la partie rapide perso, statistiques, options, générique. Générique? Générique, c'est quoi? Ouais, du coup, là. Alors, c'est qui? Shake Cadave, Serpo, nanana. Yotaz, un jeu musical, exactement. Et y'a pas reste. Et les fameux typing game, hein. Menu principal, oui. Hop. Je mange ma prousse stream encore plus ce typing game. Ça marche. Et bah allez, go. Démarrer. Écuyer de l'écriture. Cavalier de la calligraphie. Paladin des palindromes. C'est énorme ça. C'est trop cool comme choix de difficulté, quoi. Bah, je pense que je vais commencer par écuyer de l'écriture et puis on verra après. T'as je vais boire, mais c'est beaucoup trop chaud. Alors comment ça marche? Enfin comment ça marche? J'ai une vague idée quand même de comment ça marche, mais... Attends, mais c'est écrit trop petit! Attends, menu principal, parce que là je vois rien là. Il faut que j'ai la tête qui soit comme ça pour voir quelque chose. Option, affichage, tête de lui. Ah voilà. Ah bah oui. Ah, on sera mieux alors. On va peut-être pas abuser quand même. J'hésite entre le x2 et le x3. J'ai pris Manifold Garden à 6 €, hein. Effectivement ça fonctionne quoi. En fait il faut que le jeu il fasse plus de 15 € un truc comme ça. Et vu qu'il est à 16 c'est bon. Je l'ai acheté tout à l'heure là, ça fait 6 €. X2, x3, ouais, j'hésite. Ah merde, oh j'ai fait nimp. Hop et ça sert bon. Et je vais la mettre en. Je pense que je vais la mettre en x3 quand même. C'est gros x3 quand même. Ah, t'as acheté Golfit? Ah, bah nickel. Mais Golfit, tu l'avais déjà, Golfit, non? Ah, mais non. Ah, merde! Attends, mais. Attends, et comment on fait pour. Et je fais comment le majuscule? Attends, mais s'il faut comment. Ah putain, mais il faut vraiment savoir. Et je connais pas le alt combien il faut faire pour. Ah, ça c'est sale par contre. J'ai loupé le premier, d'accord. D'ailleurs, faut que je mette un message d'un pas trop longtemps pour voir pour faire la soirée de la soirée sur Golf with Your Friends. D'ailleurs, ça vous arrange plus quoi ou ça arrange plus un vendredi soir ou un samedi soir globalement? J'imagine que vu que je suis en. Ah, un coffre, y'a quoi dedans? De la thune. Donc des points, a priori. Séance.
Oh là là. La panique. Mais t'as ça, c'est pas PE ça. Si. Ah tu viens que c'est PE, on s'aide des squelettes. Là j'ai juste changé, j'ai fait un build corps à corps, c'est tout. Ah mais d'accord, il y a une histoire, même parfois certains îlots paisibles existent. Profiter de ce court moment de quiétude pour réfléchir. Ouais. Et yo Gazo. Quoi de tabasser ta sac à main à coup de club. Pas de fond de mon côté, ok. Ce serait de quelle heure à quelle heure, ouais. Bah en soirée, début vers 21h, 21h30, par là-dedans, quoi. Les infos sur le studio derrière ce jeu, absolument pas. Je sais pas. Home run. Oh, y'a un boss. Enfin, je pense, on voit une barre de vie en haut. Ah non, c'était ma barre de vie. Vous voulez dire que depuis le début, j'ai une barre de vie et j'avais pas vu. Très bien. Je me suis rendu compte qu'il y a un nouveau One Piece qui est sorti aujourd'hui. Mais en fait, vu que c'est passé plein de trucs de merde aujourd'hui, j'ai complètement zappé. J'arrive vite. Évidemment, j'ai fait achète pour mon fils, c'est un peu du tout pour moi. Hein. Évidemment. Bah tiens, t'as ça tant que t'es là, c'est pareil pour toi. Pour la soirée Golf with Your Friends, ça t'arrange mieux quoi? Ça t'arrange mieux les vendredis soirs ou samedi? Oh merde! Oh là là! Oh là là! Oh zut, il m'a fait. Nonce? Ça veut dire quoi, nonce? Ah bah c'est bon, j'ai une potion de vie. Ah mais c'est pas mal comme type de jeu pour apprendre à taper le fouetter au clavier. Et d'ailleurs, ce jeu, normalement, tu peux mettre les mots que tu veux en fait. Donc tu peux le faire ça un peu dans la façon pédagogique si tu veux. Je sais pas si t'as une classe ou un truc comme ça, si tu veux aider tes élèves à taper, bah tu peux faire un. Tu peux choisir des champs lexicaux que t'as envie quoi. Vendredi perso, alors le samedi j'aurais bossé, je pourrais dormir à tout le monde direct. D'accord. Bon, du coup, on vendredi soir là. Moi ça m'arrange du lundi au jeudi. Ah bah tant pis, on fera sans toi. T'as acheté Red Dead Redemption 2? What? C'est un peu comme tu dis, une dimension un peu musicale presque aussi. Oh mince, il me demandait un truc en fait. Comment appelez-vous cette force décelée? Je mettrais bien Tassa, mais il va être trop content. Allez, on va dire que c'est ça ma force décelée. Tassa.
t'as déjà des jeux. Vu que t'as acheté. Vu que t'as acheté. C'est compliqué de parler en même temps qu'on tape des trucs. Et vu que t'as acheté. Monster Hunter. Oh! Ouf, juste. Vu que t'as acheté Monster Hunter, t'as déjà un jeu de l'infini à faire, donc. Le Red Dead, y'a pas besoin, je pense. Et sans blague mise à part, hein, tu disais Gazou, c'est un truc pour secrétaire. Quand j'étais gamin, donc j'avais un Amstrad. J'avais un Amstrad CPC 6128 et tu pouvais programmer en basique. Mais sauf que programmant en basique, t'avais genre des centaines de lignes à écrire, et fallait pas faire de fautes, ça compliquait qu'à la fin quoi. Et quand t'es gamin, bah tu tapes super lentement quoi. Donc autant dire que pour taper un programme quand t'es gamin, bah, c'est mort quoi. Et du coup, c'est ma mère qui me l'a tapé. Parce que du coup, vu qu'elle est secrétaire, mais elle le tape même, je sais pas, peut-être même encore maintenant, elle tape mieux, plus vite que moi au clavier, quoi. Elle fait partie de cette génération où elle a appris à faire de la dactylo et tout, quoi. Enfin, dactylo, oui, mais même de la sténo. Merde, oh, c'était Mao. Oh, je me suis tellement fait troll. Yo, celle-là, là. J'aurais arrêté la phrase, on s'en fout de la vie de Tassa, mais... Encore plus chiant les gameplays déjà, je suis... Mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là en ce moment? Il est super grognon, quoi. Il est tout grognon en ce moment, celle-là. Chaque fois qu'il arrive, il est méchant. Exeter Uteris, Rennes. D'ailleurs, je suis allé la voir ta vidéo sur 2019. Je me demande même si j'ai pas mis un pouce bleu. Alors, tu vois, comme quoi. Ah, maintenant, il faut que j'aie des textes rouges pour me défendre. Waouh! Il faut que j'utilise un bouclier. Merde. Ah. Ah putain. Oh là là. Ah. Pelouse. Penche. Oh merde! Oh là là! Ah, oh, c'est la fin! Oh, j'étais pas mal en précision là! Ouais, 92% de précision! C'est ma Nemesis ici! La Typing of the Dead, j'aime bien, je trouve ça rigolo quoi. Alors. Et donc là, c'est en partie perso. Et c'est là où du coup on peut partir, on peut apporter à partir en presse-papier les mots qu'on veut en fait. On va essayer de passer en cavalier de la calligraphie. On est des fous. Bon, après, évidemment, je vais y jouer juste une petite heure maxi. Hein, et puis après, on ira sabater des bestioles. Des pâtes, des pains. Elles sont cool, on pêche les zik. Enfin, je sais pas si vous les entendez, mais. Ah.
Ouais, le Varky, il était cool. Hein. Ah, le... Enfin, il était cool. Enfin, j'adore les gameplays, mais lui, après, c'est... Oh! J'ai encore reçu un autre bon. Bah, c'est bon, c'est maintenant qu'il faut que tu prennes. C'est maintenant qu'il faut que tu prennes Red Dead. Et à tout mon grand moulin. Et du coup, ouais, je mettrai un message un peu à tout le monde là, pour la petite soirée Golf with your... Putain, c'est super dur à dire, hein, Golf with your friends. Ah! Voilà, c'est là. Un Star Citizen de lui. Vas-y, vas-y, prends Star Citizen, c'est une bonne idée. Apparemment, l'histoire, par contre, c'est toujours la même chose. On a eu la même que tout à l'heure. Zip. Oh merde. Oh bah là. Oh c'est là. Oh c'est. Attends. Après je me fais savater par des oiseaux quoi. C'est super dur quand t'as des oiseaux. Ils arrivent vraiment vite. Hein. Oui. Pourquoi ça tire, il me l'a pas pris. Un nouveau vaisseau minier de l'incroyable force. C'est le bon. Pas plus d'erreur. C'est bon, je suis mort, mais ça va. Allez, on est des oufs, on va faire paladin des paladins romains. Ouais, mais Star Citizen, ouais, c'est. Ça va être fou le jour où il va sortir pour de vrai quoi. Ou alors ce serait un jeu qui aura 40 ans de retard mais... Merde. Ah bah oui mais là du coup. Oh là là, oh, c'est la. C'est la panique, j'ai mis un S à conjure je sais plus quoi et. Ah c'est bon. Oh là j'ai la potion de vie et il m'a refait 10 points de vie quoi. En fait le pire c'est quand tu te gourres, le jeu te le dit pas et du coup ça continue à taper le mot. Et c'est de pire en pire quoi. Exemple. Oh là là. Ouais c'est la fin. Oh merde. Oh ça. Ah. Non! Double KO là-dessus.
Oui, je vais mettre sur Kraboul. Des graphiques et tout. Dictionnaire de 21 000 mots quand même. Donc je suis à 30 mots par minute apparemment. J'imagine se dire ça, le MPM. Et enfin une dernière... La CDO prochaine. Alors que je sais que tu es amoureux du mec dans... Tu es amoureux du maire et du mec dans... dans Telling Lies. David, exactement. J'ai pensé à toi, parce que c'est aujourd'hui j'ai mis... Et à un moment j'ai édité des vidéos pour me rajouter le nom des jeux. Justement, il y avait Telling Lies en avant. Et dans la miniature, il était en gros plan, je me suis dit, ah. Ah, c'est vrai que Kazu, il déteste les assez doux. Par rapport à quoi en fait tu as des tests, c'est ça que je t'avais déjà demandé. Ouais vraiment t'as une c'était super cool hein. Merde. Et n'empêche, c'est super cool pour se réchauffer les mains un jeu comme ça. Là, j'ai les doigts qui sont bouillants. En plus, il m'a dit qu'il fallait peut-être essayer de nous parler, la faire revenir du côté. Ça se trouve un peu un collègue dans mon boulot chez la fameuse chaîne de magasins hyper bien. Merde. Oh là là. Oh j'y suis plus. Oh j'y suis plus. Oh là là. Mais putain mais... Mais ta mère. Pardon. Putain j'ai quand même pas de chance, j'ai eu un autre mot qui avait le même début quoi. Du coup quand j'ai voulu... Quand j'ai voulu le modifier en fait il m'a validé l'autre. Et a priori là le... Merde. Le fait que ça soit une map avec de la neige et tout, je crois que c'était pour Noël, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était pour les fêtes de Noël, ils ont rajouté un petit... la neige qui tombe et tout. Donc. Je crois que j'ai vu ça dans les dernières news du jeu.
Mais je crois que j'avais vu de film avec elle en fait, donc c'est vrai que je me rends pas compte. Ah mais non, mais non, mais non, mais non. Oh là là. Après je te comprends, moi c'est Monica Bellucci que je peux pas piffrer. Justement pour un jeu d'actrice inexistant. The Lobster et Colin Farrell. Léa S pour cette force décelée. Putain, je viens de voir Barman passer là. Ça me fait penser que depuis je sais pas combien de temps je dois faire The Red String Club. Donc tout le monde m'a dit que c'était génial, faut absolument que je le fasse en soi. Ah tiens d'ailleurs Red String Club, je vais me le faire dans pas longtemps. Un week-end, franchement. Ah, t'as pas aimé Tiger Moule? Je crois que j'ai entendu que du bien, moi. Ah, ils sont commencés à être un peu vénères, les moules. Genre HEV c'est un peu relou à taper quoi. T'en as vu quoi, hein. Bah après c'est comme tout, il y a des jeux qu'il y a des gens que j'aime bien, moi j'aime pas, et voilà quoi. Bah toi par exemple Subnautica, tout le monde courait au génie, moi je trouvais ça pas terrible du tout quoi. Il y a Outer Wilds, faut que je le refasse parce que c'est Outer Wilds, pareil, tout le monde a cru au génie, j'ai fait une soirée dessus et j'ai pas bien accroché quoi. Merde. Et pourquoi il m'a touché alors que je m'étais protégé? Je comprends pas. Merde. Au bon moment alors. Tout est pas si facile exactement. Voilà. Ah. Le jeu essaie d'appeler Brosaf en mettant son prénom.
prend la coco. Eh merde, et là voilà, et là c'est la merde. Quoi? Oh là là, le craquage. Oh. Ouais, c'est passé, mais on les craque quoi. Bon, je suis allé plus loin. Hey, mais c'est grave la belle et puis ça arrête pas de filer des moins de 10 euros. T'as pris une tête à le goût ça? D'accord. T'as moi c'est Tetris machin là que j'aurais bien pris si j'avais bah, si j'avais de la VR quoi. Ouais, c'est bien. Oh, je me suis gouré. Oh là là. Ah bah, c'est. Une erreur et c'est la fin. C'est cool si t'as aimé les trucs comme. Ouais, ce que je me suis dit, ça fait ouais. Mais oui, il est assez cher quand même. Bon, hein, pas si mal. Hein. Pas si mal. 36 000 de score. Hein. On est un petit peu plus loin. Oh bah du coup, voilà, Type Knight, ça fait le taf, hein, comme mon typing game, hein, du coup. Bah les points positifs, j'aime bien. Bah graphiquement, il est pas mal. J'aime bien la Zik. Il a l'air d'avoir des petits trucs sympas, là, comme le fait de pouvoir défendre, renvoyer les sorts et tout. Bon, même si on l'a pas trop vu, parce que ça arrive assez tard dans le jeu. Enfin, c'est tout relatif. Mais par contre, ouais, c'est super dur, parce que, en fait, ce qui est chaud, c'est qu'il n'y a pas de... que ça s'arrête pas quand vous vous trompez quoi, c'est que ça quoi, il te laisse continuer à taper et du coup bah t'es complètement perdu quoi. Je m'ai toujours été super antique de loin mais l'ordre qui me fasse le même effet que ouais Katamari j'ai pas testé moi. Je vais voir mon fils avant de passer sur Early France. À toute